Qui est le plus stupide entre les chiens et les chats? Dans cette vidéo, vous allez voir les meilleures vidéos de chats et de chiens d'internet, les plus drôles et les plus étranges. Donc détendez-vous, profitez, et à la fin de la vidéo, écrivez dans les commentaires si vous êtes team chien ou chat. Let's go! Comment ça va mes petits gazos? Aujourd'hui, nouvelle vidéo de Rayton, on va s'occuper des chiens et des chats. Vous êtes beaucoup à me dire en commentaire que vous en avez, donc aujourd'hui, je vais les juger fort. Parce que moi, je n'ai aucun des deux. À la fin de la vidéo, on saura qui sont les meilleurs. Let's go! Donc là, on commence avec des chats. Oh non. Il a saboté son cop. Oh, mais c'est violent. Mais ça se voit la tête du chat après, là, mode. Oh, la pression. Oh, un chat, ça se laisse pas faire. Hein. Ça, j'aime bien, là. La petite chiquette qu'il lui a mis. Oh. Alors, lui... C'est pas le chat le plus intelligent de la portée. Alors lui, il est vraiment teubax, hein. Regarde dans ses yeux, tu verras qu'au fond de son crâne, il y a pas grand chose, hein. Si dans sa tête, il y a une ampoule, crois-moi que l'ampoule, elle est éteinte. Elle appelle de la bouffe. Ah, j'ai cru qu'il allait lui péter dessus. Eh, mais les chats, ils aiment trop se battre, en fait. C'est quoi ça? Et il y a des chats, par contre, des fois, ils ont des... Oh non, mais là... Combien faut-il de chats pour arrêter une bille? Beaucoup trop. C'est quoi, ça? Oh là là, mais Théma, ses yeux! Ça se voit, il a kiffé la glace à la mangue. En même temps, la glace à la mangue, c'est la meilleure glace. Je veux rien savoir. Glace chocolat fraise. Pff, vous avez cru que j'étais qui? C'est quoi, ça? Ok, des chiens, un peu. Ouais, il y a des chiens, ils sont pas malins aussi, hein. Comment on l'a fait? Pourquoi ils se sont battus? Et pourquoi là, lui, il tient le chat comme si c'était une moto? Brum, brum, brum. Les gars, tu peux pas faire ça. Ah, mais il lui fait mal. Mais fais pas ça à ton chien. Bon, là, c'est un tigre, mais un tigre, au final, c'est juste un gros chat. Tigre vs canard. Le canard, il s'est barré. Le tigre, il est choc-barre. Mode, il est où? Attends, il a vérifié ses fesses pour voir si c'est pas lui qui avait pété. T'es malade, mal. T'es malade. J'adore. Oh, il a l'air tout léger. On dirait un nuage. On dirait de la barbe à papa. Mais pour moi, les petits chiens, c'est les pires. Moi, les gars, je suis habitué aux gros chiens. Un husky, c'est un bon chien. Un labrador, c'est un bon chien. Un golden retriever, c'est un bon chien. Un berger australien, c'est un bon chien. Mais vos chihuahuas reconstitués, là, sans poils, sans sauce, eh, c'est mort. C'est quoi, ça? Pourtant, je suis un mec difficile à faire rigoler, hein, mais là, pour l'instant, ça marche bien. Ouah, la miniature de Zinzin! T'es mal, la miniature? Non, mais le genre... Pour vérifier. Ouah. Déjà, si vous avez des objets de valeur, genre une vase avec grand-mère dedans, n'ayez pas de chien et de chat. Vous êtes sûr que le vase va casser, hein. Moi, je vous le dis. Ouf. Techniquement, ils se sont fait un bisou. C'était un peu mignon. Oh, voilà, un labrador. Ça, c'est beau. Eh, je sais pas, en vrai, je commence à me demander qui sont les plus teubés entre les chiens et les chats, parce que quand même, les chiens, ils sont bien ravagés. Hein. Les gars, il s'est mis sa litière sur lui-même. Ça veut dire, il y a sa pisse et bien d'autres choses sur son propre corps. Alors qu'un chat, ça a kiffé de propre, là. Oh, le seum. Il est microscopique, le chat. Bon, c'est aussi une big victime. Attends, le chien, il vient de pisser sur la meuf. Ok, lui, c'est le meilleur. Un chien qui n'a aucune limite, qui n'a aucune règle. Attends, il frappe dès qu'il voit qu'il n'y a pas de bouffe. Bon, par contre, il y a un truc qu'on peut pas enlever, c'est que les chats sont les plus grosses michetos du game. T'as pas de croquettes, t'es personne. Ça, c'est quand les meufs de moins d'1m60 essayent de se battre contre moi. Elles sont toutes mignonnes et tout, c'est bien d'essayer, mais moi je te dégonfle, tu vois. Ça fonctionne pas comme ça.
Alors là, le chat, il a eu quand même des yeux assez incroyables. Mais moi, je vais vous dire un truc, un petit secret. J'adore l'odeur de mes pieds. Voilà, il n'y a aucune blague. J'adore l'odeur de mes pieds. Même après la séance à la salle, je trouve que mes chaussures, elles sentent une odeur particulière que moi j'aime bien, un peu acide, un peu station-service. Moi j'aime bien. Oui, je suis le genre de mec qui aime bien l'odeur de l'essence et l'odeur de la colle. Oui. Oh, le Tipex. Oh, lui, il est pas malin. Oh non ! Faire autant de route pour prendre un mur. Attends, un chat, ça peut faire ce bruit-là? Wow. C'est moi quand je m'embrouille avec les haters. Quand je leur dis que mes sons, ils sont bien. Ouais, je suis pas attrapé. Mais attends, mais il s'est vraiment fait attraper. Attendez, on peut regarder ça? Il s'est fait attraper comme un chien. Wow. L'insolence. Oh, les bruits de victime. Oh, je suis désolé, ça c'était le chien de la victimisation. C'est quoi ça? Ah, c'est une vraie souris? Je pensais que c'est une souris en 3D. Ouah, même les pisons, ils sont choc-barres qu'il n'y a rien dedans. En fait, les animaux sont tellement habitués qu'on leur donne à manger que quand on leur donne pas à manger, ils sont en mode comment ça, mon ref? Comment c'est arrivé? Ok, lui, il est en mission. Je jure, les chats, c'est insupportable. Moi, je ne pourrais pas avoir un chat. Là, on a affaire à un musicien hors pair. Vous ne comprenez pas son génie parce que lui-même ne se comprend pas. Oh non, il l'a coincé dans ses dents. Le cri, non! Est-ce que vous avez déjà fait ça pour enlever vos dents de sagesse? Mettre un fil sur vos dents, accrocher le fil à une poignée de porte et tirer. Parce que ça, ça se fait tellement souvent, les gars. Moi, on me l'a fait, hein. Tirer la porte m'a arraché la dent. Et c'était exactement pareil que ça. Je me suis senti comme le chat. Hashtag, je suis chat. Ça, c'est moi quand je suis avec mon ex et qu'elle ronfle. Je vous jure, les gens qui ronflent, j'ai rien contre vous, hein. Vous avez de la chance, je dors bien. Mais quand je me réveille et que je vois que vous ronflez, je n'arrive plus à me rendormir. C'est quoi ces pattes? On dirait 4 nappes là. On dirait 4 nappes. Je suis mort. Ça c'est Snoop Dogg version chat. Smoke, smoke every day. Ça se voit, il kiffe, hein. L'herbe à chat, je vous dis, ça fait tourner les têtes. Alors lui, il est teubé. On sait que ça va éclater, hein. Oh, ça a pas fait de bruit. Je suis déçu. Oh, le jeu de Mongolito. C'est le dernier qui a sa main au-dessus qui gagne. Peut-être prochain concept de MrBeast, hein. Le dernier qui met sa main en dessous du chat gagne 100 000 $ avec des chars d'assaut. Ah les gars, je suis désolé, j'adore le contenu ricain. Je suis le plus grand fan de MrBeast. Attends, il frappe le requin. Oh, la déception. Oh, beau chien. Bon, j'ai dit qu'il était beau, j'ai pas dit qu'il était malin. Si on pouvait être beau et malin, je serais super intelligent. Mais je suis juste beau, purée. J'avais pas qu'à là, il fait le tuto. Elle lui a donné ses fesses pour le berner, pour ensuite lui prendre son jouet. Les femmes. Ce mec a rien compris. Oh, il a peur du chat. Eh frère, t'as un Shiba Inu, hein. Un Shiba Inu de base, c'est un chien qui peut faire la guerre. Oh, la victime. Pas avec ça qu'on va aller à la guerre, hein, croyez-moi. On dirait trop, il veut lui faire peur. Attends, il a vraiment essayé de lui faire peur? Comme un humain? Comme quand quelqu'un arrive et tu fais, eh attends, chut, on va lui faire peur, on va faire boue et tout. Ouais, les chats, en fait, c'est plus malin que ce que je pensais. Un point pour les chats. Il lui a mordu la queue. En tant que mâle, ça m'a fait mal. C'est quoi ça, hein? Attends, c'est une nouvelle danse? En vrai, c'est giga drôle. Bon, j'ai rien dit, moins un point pour les chats. Parce que quand même, là, vous êtes bien teubés. Je vais pas le laisser dormir. Vous savez tous ce qu'on va dire, c'est pas l'heure de manger. C'est quoi? Mais c'est quoi?
C'est quoi cet objet? Ouah, le chien! C'est peut-être pas la bonne idée de mettre un chien. Ouais, voilà, sur un truc aussi fragile. Peut-être que gros, tu devrais faire attention. Hein. Attends, mais là, le chat, il est bloqué. Hein. Mais regardez ça! Lui, il déprime! Lui, c'est le chat triste. Tu vois? Il arrivait pas à pleurer tellement il a déjà pleuré. Il avait plus de larmes qu'il est obligé d'aller sous la fontaine. Parce que je veux pas dire, mais la vie d'un chat et d'un chien, quand on n'est pas là, nous les humains, ils font rien. En vrai, ils font juste le tour de la maison, tous les jours de l'année, jusqu'à leur mort. Ça, c'est mes ex quand je leur disais « Tu veux manger quoi ?» Et elles faisaient « Je sais pas !» Genre tout le temps comme ça. C'est trop relou, les gars. À chaque fois, on mangeait McDo, du coup. Wesh, mais y'a pas à le réveiller comme ça. Y'a pas à réveiller les gens comme ça aussi. Hein. Par contre, on n'a pas vu le gros chat là de la miniature. Il est pas dans la vidéo. Hein. Un peu déçu, mais ça va. En fait, sur YouTube, quand c'est putaclic, mais ça va, tu vois, c'est ok. Mais d'ailleurs, regardez, toutes les vidéos de chat et de chien, elles durent une heure. Donc c'est soit tu regardes un film, soit tu regardes des vidéos de chien et de chat. C'est vite vu, hein. Vidéo de chien et de chat. C'est quoi ça? Mais c'est quel genre de yoga? Attends, il s'embrouille avec lui-même. Hein. Ce chat a des problèmes. Hein. Faut qu'il aille voir un psy pour chat. Où il l'a catché? Ça se voit, il est refait en mode « Ah, j'ai réussi !» Il faut la voir, mais il y a une grenouille, là. Attends, le chat l'a touché? C'est sûr, il y a un truc sous le tapis, là. Il a pas peur de se faire écraser. Les chats, ils aiment bien se mettre dans des situations dangereuses. Ils ont trop la one life facile. Mais pourquoi là? Pourquoi de tous les endroits? Pourquoi tu t'es mis là? Oh non, gros, t'es trop gros pour ces conneries. Et salut! C'est ciao! Oh, les dérapages. Tokyo Drift en sueur. Oh, la gueule de bouffi. Attends, c'est une tache de graisse là qu'il a entre les papilles. Ah ouais, ouais non, c'est de la graisse, hein. Ce chat est un gros lard, oui. Mais en vrai, c'est un peu comme ça qu'on les aime. Moi, j'aime trop les gros chats. Bébé vs chat, qui gagne? Attends, le chat, elle est tapé l'enfant, et la mère, elle a fait « Eh, eh, eh !» Fais gaffe à ce que tu fais, c'est un enfant. Parce que regardez la réaction du chat, elle est normale, on dirait un humain. Jerry, think about it. It's a baby. Don't do it. Le chat, il a rien fait du coup. C'est abusé, il a compris l'humain. Plus un point pour les chats. Moins un point pour les chats, vous êtes des grands tarés. Mais voilà, mais il y a des maisons comme ça avec plein de chats. Les grands-mères à chats, les gars, ça existe. Hein. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans ma tête quand je reçois un SMS de ma crush. Ah mec, c'est le chaos. Ça arrive jamais, donc... C'est quoi ça? Le chat, il a vraiment pas envie d'aller chez le dentiste. Ça se voit, il négocie, tu vois. Il est en mode, non les gars, s'il vous plaît. Ça fera pas mal. Le... à la fin. Oh, la communication, elle est difficile entre les deux espèces, hein. Moi, quand j'essaye d'expliquer un truc sur YouTube à ma maman, vraiment, je lui parle comme as. Et du coup, après, on se met tous les deux sur le ventre. Wouah! Il a l'air trop fier de sa connerie, lui. Oh, il a des gros poils. Mais voilà, mais gros, les chats, c'est un animal de cité. Genre, le truc, il se tape toute la journée. C'est un nerveux. Bon, lui, c'est un blasé. Tu vois, lui, ça se voit, c'est un chat, il a du vécu. Il a goûté toutes les marques de croquettes. De la pire à la meilleure. Oh, il a l'air trop triste. Attends, il a mis ses tongs. Eh, les chats, ça évolue trop vite. Hein. Dans 2 jours, il met des caleçons. Il fait quoi, lui? C'est l'histoire de la vie, mais il tient pas à la vie, lui.
Oh, oh là là. Ouais, il a eu peur de sa propre queue. Moi aussi d'ailleurs, hein. La mienne est beaucoup trop grosse. Oula. C'est un écureuil? C'est un lémurien? Ok, là le chat il a peur. Les deux chats ont peur. Le chat roux, ça a l'air d'être celui qui met un peu la pression, tu vois. Et c'est exactement comme dans Tom et Jerry. Je sais pas si vous vous souvenez du vieux dessin animé. Dans les nouveaux et les vieux dessins animés de Tom et Jerry, il y a toujours la même blague que quand il y a la souris, la daronne elle se met sur un meuble et elle crie. Mais c'est exactement ce qui se passe maintenant, hein. Vous avez vu l'extrait, donc regardez. Regardez maintenant la vidéo encore une fois. Regardez, elle se met directement sur un truc. Tom et Jerry inspiré de la vraie vie, attention. Waouh. Non, par contre, j'avoue qu'elle a une déter. Et le chat qui fout rien. Le chat, normalement, il attaque les souris, là il a rien foutu. Il est accro. C'est trop mignon. Ah, parce que c'est ses friandises. On confisque pas les friandises d'un petit chaton. Il fait quoi, lui? Oh, il y a une tête en haut. Pas compris, mais ok. Ah, chien vs chat. Attention. Ouah, le gars, il a protégé son chien. Eh, vrai maître, hein. Ouah. Voilà, j'ai bien fait de mettre moins un point, un chat c'est trop teubé. Alors lui c'est pas le plus intelligent de la portée, croyez-moi. Megazo, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de défoncer les pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Et venez me suivre sur Instagram, il y a plein de vidéos là-bas. Rayton-YGT, je compte sur vous les gazos. Et mes autres vidéos s'appuient juste là. Passez une bonne journée tout le monde, c'était Rayton. Ciao!